Bonjour à tous, bienvenue sur Atta/Ride. On est avec Guillaume de FlySurfer. Bonjour à tous. Qui va nous parler un peu plus de la Sonic 4 qui vient de sortir. Donc tu me disais juste avant que c'était un peu l'aboutissement de toutes les évolutions qu'il y avait eu au niveau des ailes. Chez FlySurfer, elle avait vraiment beaucoup de plus-value maintenant au niveau de la construction et aussi des caractéristiques de vol. Bah oui, c'est un peu ça. C'est rendre un kite très performant le plus accessible possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est aussi un peu le programme de cette aile. Qui avant était plus technique quand même. Là, on retrouve une aile qui est un petit peu plus accessible. Qui est plus accessible, oui. C'est bonifié, très assaini et en ayant, je dirais même, un peu plus de performance. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans l'aile là que tu trouves mieux en time, en pilotage? C'est un peu la meilleure aile que j'ai eue dans mes mains depuis que je fais du kite, donc j'aime un peu tout. Ouais. J'aime beaucoup son côté accélérateur, enfin, ça accélère énormément. C'est un hang time de dingue. Ouais. Et aussi bien, toutes les tailles sont intéressantes à voler avec, quoi. Et surtout que du coup elle est assez performante, que ce soit en twin tip ou en foil, où toi tu as pu t'éclater dans les deux supports. Dans les deux, oui, je me suis senti à l'aise dans les deux. Ouais. Bon, je ne vais pas mentir sur mon niveau en foil, mais je ne me suis pas fait peur avec. Et je me suis même senti à l'aise, même avec la 15. Et en twin tip, que ce soit la 18 dans du vent léger ou la 6 dans 30 nœuds, c'est une aile de dingue. Ouais, bah là on a pu tester aujourd'hui. En plus, là c'est vraiment ça qui nous a marqué, c'était que t'étais plus accessible et t'avais une aile quand même qui avait quelque chose sous le capot, quoi. Qui est rigide en plus. Ouais, qui est bien rigide. Bien rigide. Et la construction, on voit que ça inspire beaucoup de la soule au final qui a changé l'an dernier là. Ouais, bah il y a de la soule, il y a de la VMG, il y a de l'ancienne Sonic, il y a un peu tout ce qui était bon dans les autres qui est arrivé dans la Sonic 4. Et avec toute une construction intérieure qui a changé oui, pas il mal. Oui, qui a changé, ouais. Du coup, qui la rend justement plus rigide, où sur le modèle précédent, on pouvait avoir, lors des temps de ligne, un peu les oreilles, un peu des choses un petit peu où il fallait rester attentif. Là, sur celle-là, c'est plus le cas du tout. C'est du bonheur en tout point. Et en construction, bah, nous, on est vraiment contents. Et puis, bah, de toute façon, là, on a pu la tester. On a les clients qui sont des adeptes et qui vont encore plus aimer du coup cette Sonic 4 qu'ils ont aimé la Sonic 3. Ça c'est sûr. Et à qui n'adresse pas à trouver, c'est Atta/Ride.com. Donc à très bientôt sur Atta/Ride.com.